imaginer que les juges lui offrent un 9,75 sur deux lâchers de barre plus le catch-off, ça méritait cela. C'est vrai, mais Pegan et Ivankov, le Biélorusse, a fait mieux, ont fait mieux. Mademoiselle, vous l'avez vu, Salapatiska, la note est apparue, mais nous allons nous intéresser à celui qui a été champion du monde. C'était en Australie, il y a de cela maintenant 2 ans. Ivankov. Qui n'a peut-être pas complètement digéré ce succès inattendu. Il est au saut de cheval. Voilà, son pas dans la soirée arrière avec une double vrille. Un saut que l'on appelle le Yurchenko. Car c'est une jeune fille qui l'a présenté pour la première fois. Alors, il y a la rondade sur le tremplin, le flip sur le cheval, l'impulsion et la double vrille sur le corps tendu dans le deuxième envol. Ivan Ivankov qui a réalisé un exploit, c'était à Brisbane. Et c'est vrai que personne ne s'attendait à ce garçon de 19 ans puisse remporter la médaille d'or.